aurait pu faire fortune car à 10 contre 1, personne n'aurait pronostiqué un tel podium. Andreas Mikkelsen vainqueur, certainement, mais alors avant que le Norvégien n'écope de 3 minutes 10 de pénalité pour retard au départ. Apparemment, c'est un problème électrique dans la liaison avant le premier service. Et la voiture a démarré normalement, après elle s'est arrêtée pendant la liaison. Du coup, Pascal Trojan, sur 307 WRC, a doublement des ailes. Il va survoler ses poursuivants. Derrière, après 4 spéciales, Stéphane Ramora à 1.06 et Jean-François Santini à 1.36 sont déjà décrochés. Tout semble donc presque plié pour le pilote Bastiais. Mais à 18h26, au parc d'assistance, nouveau coup de théâtre sur cette Giralia. On a cassé le collecteur d'échappement, c'est une pièce qu'on ne peut pas changer dans le temps imparti. Il faudrait au moins 1h30 pour changer la pièce, donc on a décidé sagement de s'arrêter. Et de fait, la Xara WRC s'empare de la tête. C'est dommage que Pascal ait arrêté, ça donnait plus de suspense, tout ça. Mais il va falloir continuer parce que derrière, il pousse. Deux spéciales de nuit vont lui permettre d'accroître son avance sur Santini et Marc Rideau sur cette première épreuve. Ce matin, sur route mouillée, Mikkelsen, qui pointe à la 5e place, va affoler tous les chronos. Pendant deux spéciales, Stéphane Ramora, sur ses terres, va gérer son avance. Mais car il y a décidément des mais sur cette Giralia, la dernière boucle aura son lot d'abandon. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'en ai profité. Mais bon, c'est dommage pour tous mes amis, Stéphane, Jean-François. Mais c'est le rallye, ça m'est arrivé à moi aussi. Avant le Tour de Corse, IRC Mikkelsen, lui, savoure sa victoire. Ce rallye est très sinueux, il est plein de pièges. Avec la météo, c'était très difficile, mais je me suis fait plaisir. José Miguel et sa WRC complètent donc ce tiercé inédit.